Le Dojo Roger World Tour va bientôt finir. Jusqu'au lundi 3 septembre à 10h du matin. Les quêtes de cet événement sont activées pour les donjons suivants. Blablabla. Et le nouveau, c'est le compte à rebours. Donc il y a Haribo, j'imagine, qui vient. Oh, mais c'est tout cracrou là. Attends, je vais couper un peu le. Je vais cropper. Cropper comme on dit. Hop! Et voilà! Maintenant c'est propre. Et on va partir sur Dofus. Il faut que je change le jeu sur Twitch aussi. Voilà. Super! Bonjour à tous et bienvenue sur Dofus. Nous sommes en groupe avec Haribo, ça c'est une chose. Je vais demander en guild qui vient. Qui veut un compte à Rebourg. Ça sent Léon Ping le noob. Oh là, ça va être compliqué. Je n'ai pas révisé. Trop génial, Nao qui posera avec toutes les stars pour le calendrier. Pascal Philippe, les femmes de cette... Oh, et ça serait trop bien de fou. Je vais vous faire un petit montage. Je vais vous faire un calendrier montage. Genre, Nao et Pascal. Comme quand je m'étais incrustée dans sa bannière. Énorme, ça serait drôle. Alors, Haribo, mettez déjà en groupe. Y a-t-il quelqu'un d'autre? N'hésite pas à venir dans salon d'attente, Haribo, que je te switch. Oh, merci, Fairy Talenatsu. Salut, je te suis depuis longtemps. Pas depuis longtemps, pardon, mais j'adore tes lives. Eh bien, merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. J'espère que tu te plairas dans la horde. Tic, mais les gens sont gentils, ne mange pas. Tu es sur quel serveur? Je suis sur le serveur Hagrid. Tu connais au tri... J'ai pas révisé mes trigonométries. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Bon, il y a Haribo, bah on va en duo du coup, Harry. Hein, qu'est-ce t'en dis? C'est pas mal ça. Et Amta, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que tu fais? J'espère que le calendrier de la Nord n'est pas cher. Je sais même pas où faut taper au putain. Si c'est à moi d'expliquer, on va pas s'en sortir. Viens dans le salon d'attente, Haribo. STP, please. Que je puisse au moins essayer de te ping les bonnes cases. Quand tu verras la vidéo du mec qui mange des cigarettes que je t'ai envoyé en MP Discord, tu comprendras l'image que j'ai eue de toi quand tu as dit que tu mangeais les cigarettes en chocolat. Ah, mais s'il mange une vraie cigarette, c'est quand même dégueu. Pas mentir, là. Bon, allez, Sean, hop. Il est là, il fait rien. Mais il est en occupé, mais qu'est-ce qu'il fout? C'est pas vrai, ça. Il y a Punch. Il vient Punch ou pas? Hop. On recrute. On va tellement mourir. 100 balles mini, le calendrier de la Nord. Ça va, c'est pas cher. MDR. Je suis dans AFK. J'ai dit salon d'attente. AFK, ça se trouve, c'est beaucoup trop loin. Comment je suis censée... te switch? Viens juste au-dessus, sinon je dois descendre. Je sais pas c'est quoi. Eh bien, tu remontes sur la partie du Discord à gauche... Jusqu'à voir le salon d'attente, juste au-dessus de là où je suis installée. Et boum! Tu seras là. Super! Et voilà! Salut! C'était pas galère en tout cas. Hein. Mais en fait, il était... Enfin, il y avait les petites flèches là, pour masquer les... Ah. Les différents trucs. Et bah, du coup, je voyais que ceux où il y avait déjà une personne. Ah. Du coup, je savais même pas que c'était... Tu sais qu'on est que deux? On est deux. Comment on va faire? Je vais essayer de passer le compte ce soir pour la première fois pour avoir ce bouclier. Tu seras mon tuto, je compte sur toi. Oh là là. Bah déjà on est que deux, alors on n'est pas parti, tu vois. C'est le problème d'être en monocompte, mais il y a des gens en guide et ils sont complètement déco. Aruxois, il a pas fait les prérequis, je crois, donc ça ne sert à rien. Comment ça, toi non plus? Ah non, j'ai dit qu'il était nul. Moi, ah, il était nul. Mmh, mmh. Enfin, je pense. Écoute, oh, je te propose d'aller devant le donjon. Oh là là, ça va être terrible parce que si on y va devant le donjon, qu'on prend des gens, n'importe, genre ils vont pas venir en vocal et ça va être compliqué quoi. Appelle Volka, tu le solo en 5 tours. Tu m'invites quand même groupe, bah c'est pas la peine du coup. Je mange une banane. Il n'y a pas Ascap qui devait venir aussi? Ah oui, il est parti manger lui, c'est ça. C'est ça l'histoire. Et
Amta, il vient pas. Je peux déjà le mettre dans le groupe. Bah écoute, Amtaro, j'ai l'impression qu'il est complètement AFK. Ascab, il acceptera quand il sera revenu d'avoir mangé. Et Amta, oui, je pense qu'il est. Je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas, il doit faire des courses. Salut Naomi, t'es nouvelle dans streaming, je t'ai jamais vu avant. Et salut à toi Pikachu le VG. Est-ce que tu as été à la fête des roues au mois d'août? Parce que c'est passé, j'ai raté ça et je suis un peu deg. Parce que comme je pouvais pas quoi avec le travail et tout, c'était trop short. Amtaro a été aperçu au club des Am Am. Dites-lui de venir. Amtaro. Au secours. Je vais mettre sur Discord. Est-ce qu'il va voir? C'est pas sûr, hein. S'il est en train de manger, c'est vraiment pas sûr. Je suis sûr, vous gérez First Tanta. Puis après, c'est la Vincent de Zach. Ou alors, on part vraiment en duo. Et on gère. Et c'est énorme, quoi, tu vois. Génial. Qu'est-ce que t'en penses? On peut faire ça, hein. Tu déballes la banane par le bout, il y a la tige, ou l'autre bout? Je suis en train actuellement de visualiser une banane. Par le bout en fait, ça, tu fais clac et ouf, ça se déplie. Enfin genre comme les, moi je fais comme les singes quoi. Et comment ils font les singes? Là où il y a pas la tige quoi, t'appuies dessus et ça fait hop. Et après t'as plus qu'à tirer. D'accord. En quatre, quoi. Genre pas par la tige, par exemple. Enfin, oh, je sais pas expliquer. Je n'ai absolument rien compris. No question bit débile, pourquoi t'as pris Raven comme nom d'administrateur? Parce que phénomène Raven. Non, c'est parce que ça veut dire corbeau en anglais. Aussi, pour dire les mauvaises nouvelles. Réinvite Amtaro dans le groupe. Mais... Si, fais-le. Bah c'est fait. Ça n'avance à rien, hein. Si, si, regarde, regarde. Je regarde. Attention, il va pas me décevoir, je le sais. Quoi? Bah parce que Raven de The Undead, si aussi. Amtaro, il se nourriture actuellement, pas de chance. Ah, c'est bien ça. Je savais pas qu'on pouvait se nourriturer. Bon bah sinon on tente hein. Écoute, je vais déjà aller devant et puis on va voir s'il y a des protagonistes Gaga. Oh il est là. Je le savais. Oh il est là. Oh il faut qu'il vienne. Regarde qui est là. Viens avec nous. Je peux pas carry Haribo solo. Quoi? Mais... mais je suis très fort. Je mets ouais, quelques ouais. Dommages. Je mets des petites colères comme ça. Ceci étant, il y a vachement de monde devant là. Si on me dit où il faut taper, moi je tape. Hein. Mais écoute, je veux bien essayer de te dire, mais déjà il faut que je révise mes trucs. Il faut ma que je sache moi où taper. Enfin, je sais pas. Non, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Haribo Solo, on dirait le nom d'un bonbon. En même temps, c'est normal, Haribo. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Moi, pour l'instant, je coupe du bois. Je sais pas toi, mais. Mais c'est ça. Déjà que moi, je vais galérer moi. Si je dois en plus aider quelqu'un. Mais j'ai fait un pari pour ce soir. Ah, quel genre de pari. Je serais peut-être une brêle. Ah, il va jouer à l'envers. Hein? Vous verrez du genre de donjon. What the fuck? Quel bolos. Quelle est cette sorcellerie? Les périphériques à l'envers. La manette. Ok, bah du coup il ne manque que Ascab qui se fait attendre.
J'ai une question. Est-ce que c'est risqué de s'abonner à Dofus par carte bancaire? Je pose la question car je me suis déjà fait hacker car je jouais avant et je n'ai pas envie de risquer de me faire voler. Moi personnellement, je m'abonne par carte bancaire ou du moins quand je devais m'abonner, c'était par carte bancaire, donc pas de souce. L'écran d'Haribo. Je comprends rien. Je comprends pas non plus. Il a pris un écran carré pour faire comme toi. Rappelons-le, Haribo, il a un écran carré. Oui, c'est un carré parfait. Ou un cube, parce qu'il est un peu profond quand même. Tu vois, il est pas tout plat. Mon périphérique à l'envers sera l'écran. Ah ok, nice, génial. Quoi? Attends, what the fuck? Bah, la tête de son personnage sera vers le bas, quoi. Attends. Ah oui, mais attends, bah, sinon tu mets ton écran à l'envers, mais tu fais CTRL bas alors. Ou CTRL haut. Ou ALT O, je sais plus comment. Non mais en même temps, t'as fait un pari de jouer ce soir, de faire le compte à rebours avec ton écran d'ordi à l'envers. Mais c'est Sherlock, donc ça veut dire oui. What the fuck, merci beaucoup Harris 3101, bienvenue dans la Naorde. Le train va partir, n'hésitez pas à monter dedans. Il a des idées drôles, d'accord? Ouais, mais tu peux retourner ton écran physique à l'envers, mais tu peux retourner l'écran sur le PC à l'endroit, et c'est bon comme ça. Et tu gagnes quoi si tu réussis juste... Et merci Virtus le pire pour le sub et bienvenue dans la Naorde. Allez, s'embarque. Ah, et Ascabella. Bon, alors du coup, je lance l'ATP, c'est formidable. Non, mais il va jouer avec le truc à l'envers. Sortirais-tu? Je gagne 50 de rep. Hein? De... Bah de réputation, quoi. Qu'est-ce que c'est? Bah, il pourra acheter des nouveaux items avec ça. Et il me donne une quête. Oui, c'est normal. Ben, ok. 50 euros, j'aurais compris, Amta, mais. Je sais pas pourquoi tu joues. Mais il est pas talentueux, le mec. Moi, je dis qu'il faut qu'il joue l'écran éteint. Allez, Amta, tu fais ça? L'écran éteint? Bon, allez, je rentre dans le donjon. Les premières salles, ça devrait aller. Parce que voilà, et après tout va se compliquer. On va prendre Ascab aussi parce que. Voilà. Ah, bonsoir. Salut le nul. Wow. Écoutez, je vais essayer de me rappeler comment on. Comment fonctionne l'épi, quoi. Alors, je vais prendre à la base et puis me tirer. Non, mais on verra. Pour l'instant, les salles, c'est pas trop compliqué. Le défi moi, d'Amta te fait déjà bugger plus que l'épi, non, mais ça c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait désirer. Il a pas la clé. Ah. Ah bon, il a déjà son titre lui. Ouais. Oh oui, il l'a fait hier, dans la nuit. Ah, c'est à partir de... Cherche e-girl. C'est pas le bureau de Dumbledore ici, hein. Ça ressemble pas du tout. Hein. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Ça se voit bien qu'on est chez un horloger enfin. Il y a que des rouages. Bon bah quand il veut... Des rouages. Ah le voilà le plus beau. Oh, j'adore. Wow. Bon, j'aime bien ça. Son orlement. C'est lequel celui-là? Est-ce que je pourrais sortir de la prospection pour dropper? C'est quoi cet ornement déjà? Il va nous dire. Il répond avec du dé, mais il répond. Un horloger? Où sont les Xelors? Mais le compte à rebours est un Xelor! Après, pour être tour de la fratrie, il y a trois tours. C'est parti! Tour de la fratrie. Ah, c'est le truc tour de la fratrie, nice. Ah, bonjour, le Covid. Ok, donc là, t'as déjà ton écran à l'envers ou c'est juste pour le compte? Juste pour savoir, hein. Yo yo yo, vous me kickerez pas. Pardon. J'essaye dans les salles, on verra. Aïe aïe aïe. T'as toujours pas, tu peux toujours pas microphoner Discord, Amta?
Putain, c'est bizarre, y'a aucun son, genre. Ah, la musique a disparu. Y'a un silence de mort dans ce hall des Sinistros. Ah, le Sinistros. C'est vrai que ça fait Harry Potter, du coup. Allez, dégage-toi. Mmh. Ah. Excellent. En tout cas, il a bien dégagé, hein, vraiment. Non, mais bien essayé, quoi. T'es toujours aussi fort à ce cap. Mais ça arrive à tout le monde. Non. Ça arrive même au meilleur. Si je fais une colère sur toi, est-ce que je pourrais dire que j'ai mis ce clic? Non, tu pourras même pas dire que c'est à cause de la confusion. La confusion horaire. Hop là, je l'ai vu le nez et tout, faites-vous plaise. En plus, si on le tue en premier, on fait tchal. Nice. Haribo, tu veux pas faire pareil que pendant le fractal? Attends, qu'est-ce qu'il avait fait comme connerie? J'ai fait quoi? Non, il m'a mis deux épées de l'homme, je sais pas quoi. Ah oui, je les ai tous démontés. Ah non, 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 c'est peut-être pas le bon moment de tuer Ascab, tu vois, pour te servir plus, éventuellement. Mais il a même pas son anneau Exopéa. Qui? Bah, Ascab. Ouais. Ah, ça me fait penser que je dois revoir mon Steph. Bah, appuie sur la touche. J'appuie. Je vais retourner la souris, ce sera plus simple. Mais what the fuck? Oh putain, j'aimerais tellement qu'il soit sur Discord là, parce que je suis sûr il doit rigoler ou rager ou les deux. J'aimerais bien entendre ses commentaires. Il y en a un qui a quasiment la même voix que Terracide, c'est perturbant. Ah bon? Non, je trouve pas. On fait ça. Peut-être qu'il parle d'Ascab et du coup, vu qu'il parle pas. Ouais, les directions, retourner la souris sur l'écran, ça aide. Non, parce qu'en fait, du coup, quand il bouge la souris, elle va au bon endroit, quoi. Et merci DarkTyran31 pour le resub. J'ai déjà toi level up niveau 3. Salut, je suis pas sur le même serveur. Dommage pour moi. Et oui, dommage. Surtout qu'on. On n'était pas nombreux là à partir sur ce donjon. Après, on est en pleine semaine et tout aussi, donc. On est lundi soir et on est le 27 août. Il est 22h40. 20. Merci l'horloge belge. Oh, mais what the fuck, j'ai plus que 939 HP. Ah oui. J'étais envoûté à mon avis. Voilà. Ah, sûrement, il y a tout ça. Ouais, tu t'es pris un moins 1300. Avec la strigide. Ouais, je prends ton amulette en histoire safe. Par contre, qui me débuffe l'invisibilité, c'est chiant ça. C'est parce que t'es trop nul. Mais. Je pense pas qu'il ait mis le clavier à l'envers encore pour le moment, mais ne lui donnez pas de mauvaises idées. T'es trop cool, on va avoir un titre inédit et exclusif. Nice. Et c'est portable, je pourrais pas. Ah oui, là, c'est. Ça serait compliqué. Surtout qu'il y a des prérequis de fou aussi. Je suis en train de faire tous les donjons free depuis hier juste pour avoir le boubou. Ouais, moi j'ai déjà les excès depuis un moment. J'ai fait le Dofus des glaces. Je pense pas être la seule dans ce schéma. Je pense que beaucoup de gens avaient déjà accès à ce donjon. Ça serait marrant à analyser combien de personnes sont véritablement concernées par le fait de voir tout passer en fait. Par le compte moi. Ah d'accord. Quoi? Moi là-bas je l'avais mis là pour que tacler. Ouais bah j'ai pas envie. J'espère que tu mourras. Ascab. Par contre, Harry, tu me liras les confusions si je fais ça. Non mais t'es fou. Et comment tu veux qu'il te lise les confusions? T'es arrivé sur Discord. 1,2. Ah oui, il est là, il est mute, mais il est là. Non mais on te lira les confusions, c'est un souci. Et moi, j'essaierai de ping au bon endroit pour les gens. MDR. Attends, je vais réviser. Ouais. Ok, je m'en souviens. Casse-toi. Ok, je m'en souviens, ça va, c'est pas compliqué en fait. Regardez ça. C'est bon. C'est bon, je m'en souviens. Fait quelques dégâts quand même.
Go faire full succès. Non, bah, on va se calmer, d'accord. Putain, faudrait trop que je capture un Volcorn. Ah oui, mais j'ai pas fait de filet aussi là. Je pense que dans la semaine, je vais essayer de me faire un filet. Est-ce qu'il a son buff? Non. Doliprane, check. Putain, j'espère qu'on va pas mettre 3 milliards de tentatives. Hop. Vous pouvez y aller. J'en ferai qu'une au pire. Après, tu remettras ton écran dans le bon sens. Nice. Après, on est quand même avec Haribo, quoi. Et du coup, Harry, il manquera quoi comme donjon? Ben, par rapport à toute la liste des donjons qu'il y avait à faire, il te manquera quoi? Alors, où est-ce que je peux voir ça? T'as une quête dans tes quêtes. Et elle s'appelle... Alors, j'ai fait le Gouffre-Tour Royal, j'ai fait le Cancre-Blade, j'ai fait le Monde, j'ai fait le Moule, Coulos... Tu peux pas me dire plutôt ce qui te manque, plutôt que ce que tu as fait? J'ai fait le Dramax, j'ai fait le Borker, j'ai fait le Kilo, j'ai fait le Crocard. Il me manque le compte à rebours pour l'instant. Ok, bah super, merci pour cette information. Putain, vraiment le pire, quoi. Non, mais please, non, mais le mec... En plus, je dis ça à partant d'un bon sentiment, tu vois, parce que je veux l'aider éventuellement à faire le donjon qui lui manquerait, tu vois. Ah ben, j'ai parti d'un bon sentiment. Let's go, finir le donjon du premier coup. Il y a Fairy Tale... Oh là là, j'arrive pas. Fairy Tale Natsu, voilà. C'est plus simple à dire en deux mots. Oh, je sais où je dois taper. Qui nous donne des boulettes pour qu'on y arrive du premier coup. Donc c'est parti. Allez. A few moments later, c'est clair. Hop. Ah, je peux pas faire ça. Vite. Ne s'inquiète pas. C'est pas trop mal, hein. Dinatsu, c'est plus simple. C'est pas bête. Waouh. Waouh, super. Ainsi, nous et le level up. Réussissons la première salle. Mais du coup, Amta, ça fait quoi avec les portails, les confusions? Bah, c'est pareil. Mais du coup, faut taper dans le vide pour que la confusion la mette dans le portail, puis après, ça va tout droit. Oui. Ok. Oui. Il m'a embrouillé, il a parlé de portail et de confusion dans une même phrase, en vrai. Je t'ai embrouillé de fou, là. Piou, 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 piou. Allez, montrons à tous que j'ai eu un bac scientifique. Oh mon dieu. Le nom de la quête pour le Rusher World Tour, c'est Ruée... Ruée sur gardien. Les gardiens. Vert ou sûr. La règle est simple, c'est votre adversaire ou... C'est ça la description de la quête. Récompense, dungeon. Oh là, c'est ça. Alors cette quête demande de faire... Non, je vais pas le refaire. Vas-y, vas-y, tu peux, hein. Ah ouais? Il faut achever la quête ruée sur le... Non, avec... Il s'auto-soule, c'est mignon. Ça va bien, il en a marre de lui-même. Si vous gérez le donjon avec l'écran à l'envers, j'appelle le 118 200 visites pour leur demander des astuces d'office. Tu nous diras ce qu'ils te répondront. C'est un CM qui est très fort avec Dofus, c'est Interflora. Ça va jouer. Oui. Et donc, bah c'est bien. Tu peux finir à le cycloïde peut-être. Le pouce, le pouce. Hop. Hop, formidable. Hop, c'est nul. Et je le termine ça. Ah, quel dommage. Moi j'ai pas mis mon bouclier distance. Ah, parce que je fous tout là-bas moi. Ah, c'est moi qui suis allé me planquer là. C'est bien. J'ai bien fait. Doum ta ta doum tam doum tam tim. Après, la dernière fois qu'on avait fait le compte à rebours, on était à 8 aussi, donc c'était encore plus compliqué, je trouve. Il y avait plus de mobs et tout. Ah,
hier on l'a fait à 7, c'était cool. Ouais, mais toi tu joues de façon nocturne aussi, moi je peux pas suivre. Hein. Par contre, ça c'est cool, si les gens ils ont eu le DDG. Donc c'est quand même cool que tu reviennes avec nous. Mais moi je peux pas jouer après minuit, il faut que je dorme parce que le lendemain je travaille, je me lève tôt. D'ailleurs, sachez, pour ceux qui n'ont pas suivi, que en ce moment il y a une animation où en gros c'est un truc un peu créatif pour faire ta carte postale de Vulcania. Voilà. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'événement, tu vois, mais il y a une gerbouille à gagner pour ceux que ça intéresse. Voilà. La gerbouille! Voilà, t'es sûr. Donc t'es obligé de participer, Amtaro, voilà, si tu veux une Oh, il gerbouille. faut. Oh, on peut. Oh, je vais dessiner. C'est un familier d'apparat. Ah, ça va jouer, ça va jouer. Merde, 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 vite, 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 vite. La gerbouille a des stats. Non, c'est un familier d'apparat. À l'aide. Elle avait des stats avant, mais comme c'est un item CM, on l'a passé en objet d'apparat et. Vu qu'elle avait été très peu délivrée, en gros, on a Très enlevé ses peu. stats. Ah, je suis où? Ah. Ça fait quoi si je fais ça? Une gerbouille dit comme ça, ne sachant pas ce que c'est, ça se fait pas envie. C'est une espèce de petite C'est une souris petite souris de hamster. Béchamp, trop stylée, trop mignon. Ouais, elle est trop mignonne. Elle a une grosse queue qui pend avec un petit pompon au bout. C'est un mini hamster, voilà, c'est un mini Hamtaro. Tu vois pourquoi il lui en faut une? C'est moi qui vais gagner, Altaro, et je te la vendrai 1 million. C'est un mini hamster en moins beau qui doit se dire, attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une gerbouille. Ah. Je cliquais sur un truc. Ah, c'est à moi de jouer? Très bien. Attendez, je joue mon tour et je vous montre, d'accord? Ah, Oh, oh, elle mais va m'en putain, faire sa une mère, ça narbe. me renvoie les dégâts! Allez, elle fait une narbe. Et alors? Un problème? Hop là. Non. Alors. Je vais faire comment? Je vais faire un petit screen capture. Ajouter source, capture d'écran, sélection intelligente. Hop. C'est ça une gerbouille! C'est trop mignon! Voilà. Moi j'en ai pas. Triste. Avec des grosses dents. Oh, trop mignon. C'est une sorte de Ils gerbille en tous. fait. Voilà! D'où Ouais, c'est une gerbe. le nom je sais pas ce que c'est sa description d'ailleurs. Parce que souvent je pense pas à regarder les descriptions des objets, entre guillemets. Et pourtant ils se gavent de fou généralement. Prédateur naturel des arachnés, la gerbouille a trouvé dans les aracailles un mets d'exception dont elle raffole, au point de les traquer jusqu'à ce que mort s'en J'ai suive. ouvert comme jamais. Idéal pour nettoyer un grenier poussiéreux rempli d'araignées monstrueusement géantes. La forêt des arachnides est sa zone de prédilection, ce qui est faux maintenant en fait. Parce qu'elle est plus la plus. Parce que c'est elle est apparat. C'est ça en vrai, mais sur Dofus, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à pareil! On dirait la gueule d'une des personnes de mon lycée. C'est pas très sympa ça. SDR! Le pauvre. Attends, on n'est pas bien là en vie, j'espère qu'on va. Ah oui, c'est parce que c'est deux strigides aussi, j'allais dire. Si je vais là. Ok. C'est quoi de l'auto-découverte? De l'auto-découverte? Oui, un cours d'auto-découverte, c'est quoi? Un cours d'auto-découverte? J'en sais Oui. rien. Normalement. Hein? Pour te découvrir toi-même, je dirais. Bah, j'aurais une putain. C'est dégueulasse. Attends. Oh, mais tu penses à quoi, Ascab? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a eu, il y en a un, il a eu des idées mal placées et c'était toi. Hein. C'est sorti quand ça? C'est sorti il y a un moment maintenant, mais c'est très peu donné. C'est lié au compte, donc il n'y en a pas beaucoup sur les serveurs. C'est des items que tu peux gagner que dans certains events. Ah, c'est rare. C'est possible de mettre Twitch genre en tâche de fond pour que je puisse faire alt échappe sans être ennuyé avec la page. Bah, normalement, oui, tu peux mettre la page en petit.
Moi, je suis obligée de faire les donjons solo parce que quand je demande, ils me demandent de payer pour me faire passer le donjon. Ça s'appelle du mercenariat. Et oui, il faut trouver une guilde un peu comme nous. Il y a des gens qui aiment bien s'entraider quand c'est comme ça. Oups. Oh, le coup fatal! Oh, Oh, j'en trop ai un. tard! Moi, il est désactivé. Nice! Tain, je l'ai pas vu beaucoup celui-là. Chouette! Je suis trop fort. Allez hop, je drop 0. Bah, t'es possédé par Goultar, quoi. Oh, y'a un livre. Salut Décom. Lana Horde! Joli. Salut le Pana Horde! Ah, oui, c'est vrai qu'il y a un livre, dis donc! Oh, je peux appuyer dessus? Bah, oui, tu peux. Tu peux appuyer. Décom. Extrait de l'Abazer. Oui, ok. L'Abécédarius Daemonica. Attention, lecteur, ça commence comme ça. Salut la youtubeuse. Salut, salut à tous. On se retrouve pour une vidéo sur YouTube. C'est quoi les conditions pour entrer dans votre guide? Bah, vouloir jouer avec nous. C'est d'être pas mal beau déjà. Et voilà. C'est pas mal ça. Bonne condition ça. Merde! Pourquoi il veut pas se lancer? Ah voilà. Et d'être sur Hagrid aussi, ça c'est une bonne condition quand même. Hein. Je vais pas préciser, mais c'est bien de l'avoir fait à ma place. Vous êtes prêts? Prêt. Je suis prêt. Prête. Écoute, toujours prêt. C'est bien de mettre le tch. Amtaro, il a déjà du mal à mettre prêt avec son truc à l'envers. Alors du coup, je trouvais pas le bouton. Du coup, c'est terrible, quoi. Hein. Ça annonce le pire, hein, en toute honnêteté, quand il va falloir lancer tes sorts. Merci Nao de prévenir tes lives sur Snapchat, j'en aurais raté beaucoup sinon. Ah, ça fait plaisir que des gens arrivent sur le live grâce aux notifs Snapchat, parce que... En fait, j'ai la flemme de le faire et je me dis non mais quand même, peut-être que ça peut servir à des gens et tout. Et tu vois, bah je fais bien. Comme même. Pardon. Wow. Haribo, tu sais. Qu'est-ce que je sais, Amta? Oh, ils sont invisibles! T'as vu? C'est ça que tu voulais que je sache ou pas? Non, c'est ça. Il est où le PTG? Dis-moi. Ah, c'est ça? Bah, j'en sais rien, oui. Moi, où il est. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est où le PTG? Bah, j'en ai aucune idée, mec. Je sais même pas ce que c'est. Ah, le PTG sur le clavier? Alors, le P, il est tout à droite. Le T, il est à peu près au milieu. Non, non, PTG, je pense. Et... Attends, attends, non, il parle d'un autre point G, je pense. Hein. Oui, je pense aussi. Ah, le PT, c'est point, ok. Le PTG. Quelle innocence. Bah, donc, c'est bon. Donc, ouais, le... Et donc, Harry, alors, tu sais où c'est? Ben... Je veux faire un dessin? Non, j'ai pas envie de faire ça. Ah, oh, si, il fait tellement un dessin. Oh non, d'habitude, c'est Amta qui fait les dessins. Mais le truc, c'est que là, à l'envers. Ah oui, fais-nous un dessin paint. Regardez ça. Ouais, n'essaye pas de changer de sujet en mettant des cocos à 2000 sur un cycloïde. Ben, il a un bon trou, lui. Lui, doit avoir un bon projet. Oh. Ou alors, attends, il porte déjà... une prothèse totale de genoux. C'est le point G, c'est le point de l'équilibre, de toute façon. Donc il est différent chez chacun. C'est beau ce que tu bah dis. Bah oui, 100%. C'est le Paris Centre, en effet. Belle culture. Moi, on devient des... comment des rushers? Mais il suffit de demander. Tu vois, bon. Genre, une chaise, ça a un point G aussi. Effectivement. C'est évident. Est-ce que 30% c'est 100%? Ah mais non mais putain il a le... Oh Nao, la même erreur que moi. Ouais mais j'ai... En fait je voulais le pousser pour pas taper. Ah tant pis. Je tape pas fort alors. Je fais que dalle de dégâts, voilà. J'ai pas envie de taper Harry parce que je sais pas, j'ai pas envie de le taper, tu vois, je l'aime trop. Ah bon bah du coup il est plus mort. C'est parce que t'as peur des représailles? Non. Okay. Il fait des cocos à 2000. Oui, mais seulement tous les 7 tours. Puisque si... Oui. Hein? Non. 4. Non, 3. 5. What?
Parce que si je la refais dans 3 tours, dans 4, elle sera pas à 2000, elle sera, vu qu'elle est boostée. Mais alors dans 5, elle sera à 2000 puisqu'elle sera non boostée. Et que c'est les dégâts que je lui ai fait de base. Voilà, c'est lui qui m'a donné mal à la tête et non pas le grand arbour. J'ai à toi, Ribo. Ouais. Regardez-le, est-ce que lui on peut le cac? Il est fort ou pas? Non, il a rien, il a aucun buff. On peut le cac, j'imagine. Mais non, c'est le truc qui renvoie. Ah, ça va. Bah, il renvoie 0. Oh. Non, mais tout à l'heure, c'est le truc qui m'a renvoyé les dégâts. Hein. Ouais, mais c'est parce que t'es 10 fois plus nul. Waouh. Comment ça, non, c'est pas le truc qui m'a renvoyé les dégâts tout à l'heure? Oh merde, j'ai enfermé Ragnar dehors. Pardon. Donc je reprends. Ok, mais on peut. Ah oui, c'était le knock sur l'arbre. Très bien, super. Ça va, j'ai rien raté. Non, j'ai mis j'ai mis quelques dégâts. Pardon. Il a dû sonner à la porte. Je t'aime quand même. Merci Magic Prozy. Bah c'est de ma faute, j'étais en train de lui expliquer. Prozy YouTube pour le Seb. Et bienvenue dans la Horde. Oh, c'est à moi de jouer. J'adore jouer. Ah. Attends, lui il renvoie tu des dégâts. Ma bouteille d'eau. Attends, il faut que j'aille. Il faut que j'aille là. Comment ça? Ok, j'y vais. Ah oh, mais j'ai 0 PM. Bah tu peux le taper de loin là, c'est bien. Mais non, il m'a dit d'aller devant le portail. Oui, mais si tu peux pas bouger, tu peux pas bouger. Bah j'aurais bien voulu bondir. Non, 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 ça c'est parce qu'il y a quelqu'un ici. Ah, il y a quelqu'un là, ok. Ah, t'es mort. Waya. Ah bah je crois qu'il est du côté d'Amta du coup. Ah, il est sur le portail en fait. Je sais pas. Oh, attends, mais on est que deux vies. Moi aussi, je suis bientôt morte. Oh non. J'aime découvrir de nouvelles saveurs. Tap. Bah oui, merci. Tout ce qui est épicé. On va tous mourir. C'est Guillaume Dab et 3600 points de vie. J'imagine pas le compte, on est en train de mourir dans une salle. C'est un peu crâne, hein. Peut-être je vais tanker avec mon shield. Imagine. La survivance d'une femme. Non, non. Ah. Il fait des trucs stylés, ah. Il roule sur lui-même, il a de la vapeur. Et merci à Ezeris pour le resub, GG à toi, level up niveau 7 et bienvenue dans le train 7, en direction de la Nahorde. Nahordi. Allez Amta, please, fais quelque chose. Tu peux les tuer. Mais va tuer les deux là. Non. Yes. Oh non, il en reste un, il est à vie. C'est bon. Non, non, il est mort. Je survis. Ouf, je suis pas morte. Waouh. Oh, j'ai gagné une aile. Ah, il est là. Attends. Oh, et Raxorus qui embarque dans le train en direction de la Nahordi pour son 14e mois. Merci à toi pour le soutien. Sans faille de Mystérien HD depuis plus d'un an maintenant. Un an et deux mois. Moi j'ai raté. Wesh 14 mois. Bon, mais c'est parti.
Tâchons de ne pas mourir. Alors ici, il y a Big Mama et puis il y a les deux avec leur petit plug anal sur la tête là. Ah. Je voyais pas ça comme ça, ouais. Non, ça fait plutôt des petites licornes. Ils sont mignons, ouais. Du coup, j'aime bien. Bah, tu l'as vu, ils font quoi les licornes? Tu veux me. Tu veux me. Me traumatiser sur, sur les licornes, c'est ce que t'essayes de faire? Elles mettent dans les fesses, mais Amta, c'est pas moi. Mais elle n'existe pas. Non mais y a quand l'arnagement licorne de Volcorn, je sais pas. Non mais en fait la petite corne sur la tête de Nocturlarbe, Nocturlab, c'est pour démarrer des. Oh. J'ai rien compris, il riait trop. Il me fait une blague de merde. Non mais il y a un manga ou un animé, ça dépend. Et ben, ça s'appelle Gurren Lagann et pour démarrer le petit mecha, il doit mettre sa petite, sa petite pendentif de foreuse dedans. Et ben, ça ressemble à ça. Donc j'imagine que si on le met dans le mecha, et ben ça peut le démarrer. Et on le tourne sur lui-même à trois quarts à droite. Qui a compris? Je peux le taper au corps à corps ou pas? Ok. Non, il faut pas. Oui, mais c'est encore. Nous t'écoutons. Tu as des choses très intéressantes à nous dire. Je dois bondir. Pourquoi il faut que tu bondes de... Oui. T'as une fatigue, tu dis des conneries du coup. Pourquoi il faut que tu bondes, pas bondes? Aïe aïe aïe. On n'en peut plus, hein. Moi aussi non, j'ai un mal de crâne. C'est pas Gurren Lagann, c'est un bon animé pourtant. Sans doute, mais en fait c'est la façon dont tu racontes, ça rend le truc tout de suite soporifique, je sais pas, il y a... L'attention ne suit plus, tu vois. Yes. Par moi, contre, je l'attention... Alors, du coup. Hein? De la ASMR, je peux rendormir les gens comme ça, c'est bon pour eux. Ouais, fais donc. Lui, il a pas son truc, donc je peux le pousser. Et là, je fais une zone. Mes amis! Et regardez-moi cette zone! Boum! Du coup, je peux taper qu'une fois, c'est un peu problème, mais quand même! Harry, t'es toujours là-bas pour prendre les coups, j'ai l'impression. Hein. Bah, moi, je suis au front. Et je parle pas de celui de Zulu. Hein. Facile. Ça vous fera 69 euros. C'est vrai. Consultation chez le psy. Faut pas lui demander de faire de l'ASMR, il va nous faire des bruits de gorge. Je peux gargariser. Ou il va se couper les ongles. Non, mais en fait, il a déjà commencé à faire de l'ASMR sur le live. Hein. Il fait des trucs chelous, genre. Non, tout est normal. Mais peut-être pas au bon endroit, ni le au bon moment. Mais je pratique diverses choses. Attends, je pense que j'ai un truc. Non, en fait, j'ai rien du tout. Bah, du coup, je vais booster mes amis. Ah, je suis ton ami, du coup? Ouais. Cool. Ah, vite, merde. Vite. Tu sais qu'ils sont capables de venir pour te tuer, quand même. Non, ils ont pas le temps. En plus, ils peuvent pas passer dans les portails ici. Bah, si. Oh, vous avez Facebook? Enfin, oui, vous l'avez. Y a pas si longtemps que ça, il y a une image sur Facebook qui a tourné et il y avait une madame qui était dans un brancard avec la jambe dans un plâtre et sur son plâtre, il y avait marqué Andy. Ou Andy, enfin, c'est comme vous voulez le prononcer, quoi. Le okay. Mec dans Toy Story, quoi, l'enfant. Et ben, ouais. Sur le plâtre de la madame, au bout de son pied, il y avait marqué Andy. Comme si c'était un jouet, quoi. C'est marrant, j'adore l'humour. Bonne nuit. Ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui s'appelle Andy qui... Non, 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 non. Et j'ai retrouvé la... Je vais vraiment te facturer 69 euros, hein. Je vais taper, dans ma recherche Google, je vais taper femme, brancard et plâtre. Bah pour sa séance. Là, il est clairement en consultation, Amta.
marqué Andy aussi. Andy. Ah, ça trouve rien de trucs qui ont rapport avec ce que je cherche. Je dois avoir utilisé les... Je dois avoir cherché des mauvais mots-clés. Ah, c'est incroyable, Harry. Attention, ça va être à toi de jouer et peut-être tu vas mourir. Ah bah t'es mort. Non, je suis mort. Bah, ça va pas ça, je peux chercher ma femme sur un brancard avec un plâtre marqué Andy sur le pied. Ah, parce que c'est ta femme en plus maintenant, ça y est. Non, c'est pas ma femme, c'est une grosse femme. Oh, mais putain. Attention, hein, il y a vite des gens qui vont se rabouler en disant grossophobe. Oui, parce que ça, c'est la mode maintenant. Tout le monde crie à la grossophobie. Ou à la... Oui. Amta, même à l'envers, il gère, c'est ouf. Moi, je suis poufophobe. Qu'est-ce que je... Tu as la phobie des poufs. Mais les poufs sur lesquels on s'assied ou comment? Oui. Non. Peut-être. Peut-être. Effectivement, concrètement. Les poufs, les meufs. Parce que tu as déjà eu affaire à une pouf meuf. Comment tu reconnais une pouf Comment on reconnaît la pouf à l'état sauvage? Je pense que ça va faire sujet d'un bon documentaire sur Arte. Non, mais c'est important, ça peut nous servir à nous, femmes, pour nous dire est-ce qu'on est dans la catégorie des poufs ou pas. Est-ce qu'on pourrait être prise pour des... Ouf. Et toi tu dis ouais. Non mais... Pardon. Rien dit. T'as entendu pouffer? Non mais pouffer de rire, non mais ça c'est autre chose. Une pouf. Cette c'est discussion, quoi pouf? Une pouf meuf, on peut s'asseoir dessus sûrement. Qu'est-ce que c'est pour toi une pouf meuf? Non, je dis pas meuf meuf dans le sens hey, meuf. Qu'est-ce que c'est une pouf pour toi? Oui, je parle à mon fond vert, et alors? Une fille qui fait certaines actions? Idiote. Et stupide. Comme lancer colère de hop au tour 1. Ok, une pouf. D'accord, je... Ok. Alors, pour Amtaro, c'est une pouf 5 kg de fond de teint, trop prétentieuse avec ses 8 de QI. Ah, c'est une autre def, hein. Le QI d'une huître, quoi. Est-ce pas gentil pour les huîtres, hein? Oui, par contre... Bon, comment vous dire que là, il va peut-être falloir se concentrer. Eh, on est où? Il est où le boss? Faut utiliser le levier? Comment on fait? Bah, faut parler au hibou. À Doloréane. Et je dois montrer quoi? Rien. What the fuck, tu demandes d'affronter le con d'Arbour? Ouais, mais j'ai lui montré au lieu de monter. Oi, oi, oi.